Vas-y, Oui. c'est à toi. Pardon, pardon. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 en multi, toujours accompagné de notre ami Gaelden. Voilà, qui avait pris la parole pour commencer. Désolé. Salut à tous. Oui, là, oui, il n'y Oui, a que ton donc, un petit commentaire. commentaire, c'est qu'à mon avis, t'as un peu surchargé sur Tyrion. Et que je pense Morazzi, t'aurais pas dû la descendre. Autant, selon moi. Non, Mais. mais. T'as voulu te la jouer gros bourrin et au final. Non, mais en fait, non. C'est parce que Noctilus n'était pas dans la première bataille. C'est quand il s'est replié que Morati elle a pu rentrer dedans. C'est parce Écoute. qu'il s'est replié. Peut-être. Bon. C'est mon avis et je le partage. Les colonies du monde ont été battues. Ok. On a. Ouais. Alors, réflexion. Réflexion, ces elfes de caca. On va les attaquer. Alors. Mon amiral. Il va s'avancer sur Irtle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bref. Donc, par contre, ils sont tous partis de Arnheim. Ce qui est une bonne idée. Sont peut-être partis pour mieux revenir. Oui, non, mais en fait, même l'armée de Dalariel, là, elle est en fuite. Donc, moi, je pense qu'on va se lancer dans une campagne anti-elfe. Écoute, je te dis au prochain tour, je leur tombe sur le rabble. Bah, moi, je vais attaquer aussi, comme ça, ils vont se faire attaquer par par deux flancs. Et on va leur montrer que de quel bois on se chauffe chez Slaanesh. Ouais. Alors, Ah. est-ce que j'envoie Morati sur Irti ou Girophus sur Irti? Bonne question. Je me remercie de l'avoir posé. J'ai choisi. Vous dégagez. Résolution auto. Hop. Et on va prendre des esclaves. Esclavage. Voilà. Ah oui, nous on est dans l'esclavage, non? Pile. Alors, où est-ce que je pourrais débarquer? Ici, mais il y a deux armées. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux, quoi, les hauts elfes. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de factions. Il est reparti où, Noctilus? Il est rentré chez lui, peut-être. Il est en train de rentrer chez lui, la queue entre les jambes. Et qu'est-ce qu'il fait, le clan Crétus, là? Ah, la vache! D'accord, il est à la chasse... À la Je sais pas chasse... ce qu'il fait. Il a la chasse à l'homme lézard. C'est quand tu vois, quand tu le sélectionnes, t'as la petite flèche qui indique sa cible. D'accord. Donc il est en train d'essayer de rattraper. Oh putain, les orques? Ils ont réussi à se faire une région complète là. À ce Tranquille. point-là? Ouais, Eh ben. regarde Monument de la Lune. Marigobourg. Ah Sanctuaire oui. de Sotek. Ah bah c'est eux qui ont tué les C'est eux humains qui ont alors. tué les humains. Ça alors. Unbelievable. Bon, mon tour est assez rapide. J'ai Elle est pas. sur sang-froid maintenant, ma sorcière. Je suis content de le savoir. C'est mieux quoi, une tempête de feu ou des traits incandescents? Moi, j'aime pas trop les bombardements en général. Donc, j'ai tendance à préférer La tempête de feu qui est un ouais, vortex. le vortex. Oui, les bombardements, l'ordi arrive souvent à les éviter. Ouais, il dodge comme un ouf, quoi. Bon. Ok. On a pris un revers. On a perdu un seigneur. Niveau 10. Hein? Niveau 10. Ouais. Mais en fait, moi, rien que pour le fait que sinon t'es dépendant des bâtiments pour avoir des sorciers, en fait, je prends quasiment tout le temps des seigneurs qui sont des sorciers. Parce que je trouve que ça permet quand même de rajouter de la magie à ton Mais armée tu vois, que tu peux là, pas par avoir exemple, j'ai le sinon. droit qu'à une matriarche ou à trois sorcières. Et trois sorcières, pardon.
Non, mais ça c'est pour les héros. Mais pour Oui. les seigneurs d'armée, en général, Mais c'est juste. vrai que je préfère les. Justement, je vais en reprendre un de seigneur. Parce qu'il faut refaire cette armée qui a été abattue. Bah oui. Un petit domaine de magie noire. C'est dans quoi? Le buveur d'esprit, c'est dans quoi? Bah c'est celle. C'est l'ombre ou c'est la mort? C'est. Je vais dire ça tout de suite, puisque je l'ai sur. Seigneur sorcier. Non, ça c'est Nurgle. Ça c'est. La Sigvald. magie noire, c'est spécial C'est la magie aux de elfes l'ombre. noirs. Alors, ombre. Magie de l'ombre, c'est pas ça. Donc Ok. c'est la mort. Si t'avais d'autres questions. Donc c'est la mort. Mais mes sorcières de la mort, c'est une qui va au corps à corps ou une qui a commandement plus 3. Commandement plus 3 le donne à toute la dans l'aura ou pas? Commandement plus 3, oui. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ça ou un mec de ou une sorcière de corps à corps. C'est éviter la sorcière de corps à corps. Oui, c'est bien ça. C'est bien le buveur d'esprit est bien là. Alors, on va commencer à lui recruter des trucs. Des méduses. On peut recruter des méduses. C'est bien les Des méduses. démonettes exaltées de Slaanesh. C'est bien aussi. C'est pas dans le même genre. On va dire oui. Je préférerais une autre unité de guerrier de chaos. Alors, attends. Ah ouais, mais ça met 2 tours les exaltés. Ah ouais. On n'a rien sans rien, ma bonne dame. Pas faux. Déjà faire ça. Ah bah oui, donc j'ai perdu mon truc à baliste. Ici. Je suis médusé. Je vais le virer. Ah merde, j'ai passé dessous. Je le ferai au prochain tour. Voilà, là on pourra avoir un Arme mec comme tactique. ça. 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 Ce niveau recrutement, c'est fait. Et toi, tu pourrais. Ouais, mais toi, t'es déjà en train de recruter, donc c'est bon. Moratti. Moratti, Moratti, Moratti. Je sais pas quoi faire avec Moratti. Bah, moi je te dirais pour l'instant, t'es en guerre contre les Sylvains? Non, donc je vais peut-être Bah pas les galer. laisse les Sylvains et va chez les elfes. Hein. Ouais. Le truc c'est que c'est des zones oranges pour toi, c'est ça? Chez les elfes, non. Chez les elfes sylvains, non. D'accord. Alors, par contre, au niveau de Thor Darnil, Thor Hanlek, là où t'arrives, là, Ouais. et l'hôtel de Kane, c'est rouge. C'est rouge, d'accord. Alors, ça, c'est normal, c'est par rapport à Nagarond. Pour moi, c'est vert. Donc, ouais, je sais. Pour ceux qui n'avaient pas le lore. Pour moi, c'est vert, donc je vais être très content de m'y installer. Ou d'installer mes. Ouais, je vais pas pouvoir installer des vassaux ici. Il va falloir que je crée des vassaux en défonçant Des hauts elfes. des hauts elfes. Des vassaux. Et est-ce que c'est pas une bonne idée? Je vais être obligé de défoncer des vassaux. Enfin, de défoncer des hauts elfes pour me créer des vassaux hauts elfes. Parce qu'en fait, à Lithanar, je regrette presque, parce qu'en fait, je l'ai rasé, j'aurais pu le vassaliser. Ça aurait été tellement drôle. Fais attention, t'as 2 armées d'Alariel qui arrivent sur toi. Mon Dieu, je tremble. Non mais je... Voilà. Je. Ah, Noctilus retourne chez les hauts elfes. Ça s'en va et ça revient. Ça revient. C'est fait de tout petit rien. C'est fait de tout petit rien. Ouais, Tyrion. de tout petit rien. Oh putain, les jeux de mots. Les jeux de mots de dingue, quoi. Ouh. Ça y est là, on y est, on y est, on y est. On y est là. Ils sont chauds comme la braise. Oh, chaud patate. Alors, Bellacor me dit, est-ce que tu veux de l'argent pour une alliance défensive? Moi, pour l'instant, j'ai pas fait d'alliance défensive par là-bas.
Est-ce que je vais faire une alliance défensive avec Bellacor? Ça me Acquise. paraît pas une. D'accord. C'est pas forcément une connerie, hein. Ouais. Bon, allez. C'est juste. Donne-moi ta thune. Moi, j'ai pas envie de me créer d'autres inimitiés potentiels. De toute façon, il est en guerre que contre des trucs qui sont sur le vieux monde, alors Oui. c'est loin. C'est loin. Sur le vieux monde ou sur Ultuan. Bon, voilà, j'ai envie de dire Ultuan, c'est un peu notre. Le sacrifice à Kane. À envoyer leurs âmes au prince du chaos. Nous savons ce que nous allons faire. On a retrouvé des survivants de l'infâme rébellion. Ah. Et la chasse sauvage prend fin. Eh Eh bien, ben, on s'en écoute, fout un nous peu. allons envoyer les âmes des méchants. Mosillon est morte, Berseling est mort. Loyauté retrouvée, très bien. Il faut que j'aille défoncer l'armée de Gombrindal. Ça tombe bien, Tu es c'était mon parti de la objectif. ville? Tu laisses le pic blanc tout seul? Alors que je suis juste à côté? Oula! À avertir, il y a trois armées des Athènes. D'accord. Les mecs ne veulent pas sur Ultuan, quoi. On arrive. Mais est-ce qu'on va leur laisser le choix? C'est ça. Pourquoi Moratti peut pas attaquer un port? Parce que je suis en attaque là. Non, c'était avant. Moratti ne peut juste pas attaquer les ports. D'accord. T'es pas en marche forcée? Non, je suis en marche normale. Peut pas attaquer la ville des hauts elfes. Ok. Ultuan est protégé par un bouclier mystique de anti-Moratti. Très bien. Ok, Là, je ça peux s'annonce bien. juste occuper. Ou alors c'est parce que ça a mis du temps à charger ton truc peut-être. Ouais, attends, là, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Mettons un sac. Ah non, 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 elle peut juste pas y aller. Derrière. Elle peut pas attaquer le pic blanc, qui est un port. C'est étrange. Mais Gyrohus peut. Alors, je vous invite à tous venir voir ma vue et essayer de m'expliquer pourquoi. Attends. À ce moment-là. Voilà. J'arrive, mon petit A4. J'arrive, j'arrive. Où es-tu? Où es-tu? Où est Moratti? Alors, C'est quoi que Moratti, tu veux elle peut aller attaquer? plus loin que le pic blanc. Elle peut aller plus loin sur la mer que le pic Alors blanc. attends, tu sais, si je sais, je t'explique, c'est que Warhammer 3 ne. Elle est pas encore Non, non, en elle est pas bateau, encore en c'est ça? bateau, c'est ça. Donc tu commences par la déplacer, tu la mets dans l'eau. Et Ça me ensuite. fatigue. Ouais, c'est géré n'importe comment. Non, là c'est fatigant. Ça va bien se On passer. est. Ah oui, bah maintenant je peux. Voilà. Allez. Tu vois. Hop. Dégage-moi cette ville. Victoire décisive, étonnant. C'est Vu bizarre. ce qu'il y a dedans. Bah, en plus, oui, il vient de le prendre, il me semble. C'est ça. Bon, je pille et j'occupe, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'était surtout pour la reconstitution. Voilà, comme ça, on n'a pas perdu de troupes. Tout le monde est full life. Ça, c'est bon. Stimuler la croissance. Tu vas stimuler des choses chez Moratti, toi? T'es sûr? Attention à ce que tu dis. Hein. C'est dégueulasse. Attention à ce que tu fais, mon petit. Qu'est-ce Alors, je pourrais. Oh! Ah oui, mais non, aïe. Et deux armées plus la porte. Ça fait peut-être beaucoup pour une seule armée, non? Bah, ça dépend quelles armées, je te dirais. Si tu veux. C'est l'armée de Gyrohus. Oui, avertir, effectivement, il n'a pas envie qu'il y aille. Alors, mais c'est pas grave, nous on veut y aller. Bah, tu t'attends le tour suivant, sinon. Ah merde. Tu débarques. Ouais, mais je peux pas débarquer, il y a de la corruption vampirique de caca. Eh ben. Tu perds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou sinon, non, sinon tu restes en bateau. Tu t'avances, tu restes. Ouais, non, mais c'est parce que. Juste au bord du pic blanc. Et puis. Comme ça, tu perds rien et puis t'es juste à côté pour débarquer au tour suivant. C'est ça. Ne nous Mais inquiétons pas. tu peux pas te mettre débarquer, te mettre en fort.
Mode invocation. J'ai quand même de l'attrition. Non mais t'es, si t'es en invocation, t'es pas en fort. C'est, chez les elfes noirs, l'invocation c'est le fort. Ah. Ah, et moi j'ai le millimètre de trop. Et ben. Ah mais je suis pas encore en guerre contre contre mes mères. Non mais elle va retourner dans l'eau. Ça alors. Alors toi par contre tu vas construire des bâtiments pour qu'on puisse ouais. recruter des trucs plus chez toi. Hop, allez. Bim. Il me faut quoi ouais, c'est, je suis en guerre contre tous les elfes. Oh là là, et Gritus qui a pas voulu rejoindre la guerre contre elle. Je suis déçu. Je suis aussi très très déçu. Ah. Victoire de justesse. C'est pas grave. Contre une ville. Ouais. Eh ben. Mettons à sac et occupons. Hop, on va pouvoir recruter des matriarches dans les bateaux. Merde, je peux pas à ce tour-ci. Et on va attendre pour ça. Hop, alors. Et toi, tu peux pas recruter chez l'amiral. Pourquoi? Ah, parce que tu es déjà à 20 sur 20. Ça c'est, peut être une explication. C'est souvent une bonne raison. Ah, ça j'aime. J'aime voir ça. Je crains qu'il ne vienne d'avoir un orgasme. Non, j'aime voir que je peux recruter maintenant. Tu vois, par exemple, les assassins. Tu me disais pour les héros, les assassins, c'est la capitale niveau 4. Oh. Par exemple, c'est. Mm. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Et au prochain tour, donc dans 3 tours, on pourra avoir des gardes noirs. Voilà. Alors, où est-ce que je peux améliorer mes bâtiments? Qu'est-ce qu'on peut faire? Accord rapide. Un traité de paix. Qui veut faire la paix? Personne. Très bien. Personne ne veut confédérer. Ah, Gritus veut bien une alliance militaire. Gritus, il vient d'abandonner mon alliance. Parce que... peut-être pas m'allier avec Gritus, ça fait 50 fois que je lui donne des trucs et que le mec il se suicide. Ouais, non, c'est une quiche, franchement. À chaque fois que tu fais de la diplomatie ouais, en multi, t'as l'impression que l'ordi va planter. C'est ça. C'est horrible. J'ai fini mon tour. Attends, moi je suis toujours dans ta carte de diplomatie, c'est dégueulasse. Diplomatie, c'est dégueulasse. Ah oui, non, mais la diplomatie, c'est horrible. Toi, t'as débarqué là, ok. Donc ça, c'est l'armée de Alariel qu'on a battue. Ça, c'est cette armée-là. Je regarde un peu ce qu'ils font. Moi. Mmh. Bon, on verra ça au prochain tour. Mmh. Ah, j'ai pas vu ce qu'a fait Athènes. Il y en a un qui est en mode campement, mais il doit certainement se rapprocher de moi. Ils vont certainement essayer de me booter en dehors de. Ah, je pense qu'Exoalt est mort. Parce que j'ai son héros qui a disparu juste devant moi. Ah. Les mille gueules mettent un terme au pacte de non-agression avec moi. D'accord. Décidément. Et tous les elfes noirs veulent ma mort en fait. C'est ça. Bon, Exoalt s'est petit suicidé. Bah, il fallait bien que ça arrive. Donc ça, c'est très bien. Donc, est-ce que je vends Skegi au port des pillards? Enfin, à Neek. Ou je le revends à Gritus? À la limite... Ça dépend combien il me propose d'argent. Sinon, t'attends de voir lequel des deux va tuer l'autre. Alors, je pense avoir une réponse à cette question. Je pense aussi avoir une réponse à cette question. Quand je vois les forces en présence, je pense avoir une réponse à cette question.
Ensuite, comment? Le roi des Les tombes. rois des tombes, ça devient très vite très gros. C'est pas forcément très fort. 2000 balles et de la loyauté? Augmenter les impôts chez les autres? Attends. Faction détruite, Exoatl. Et voilà, Mazdamundi, hype. Voilà. Ok. On est meilleur avec l'arbalète. Très bien. Embuscade découverte de Carmen Electra, Electra. c'est ça. Très bien. Alors, gros Ah, mais ils dé. sont partis de leur porte de l'aigle. Gronazidus. Et Athènes reste au niveau d'avertir. T'es qui toi? Ah, putain, t'es. Est-ce que c'est un avertissement? C'est ça la question. Oh. Ah, ça y est, continue. Il est trop drôle. Putain. Alors, est-ce qu'on débarque? On peut aller jusqu'où? Ah, mais on peut aller jusqu'à avertir avec nos deux armées. Et alors là, ce serait la grosse base. Ah non, mais il est tout seul à venir. Attends. 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 Ah, mais il a qu'une seule armée qui viendrait à avertir. Donc on lui pourrirait une armée? Ce serait Alastar, le lion blanc, qui mourrait comme un caca? Tout de suite, tu utilises des gros mots. Moi, ça me choque. Ou alors on va sur la porte de l'aigle et il n'y a que Gigalion qui vient. Mais la porte de l'aigle, c'est bien défendu. Ah mais j'avais pas vu qu'ils arrivaient sur Arnheim avec leurs deux armées là. Est-ce qu'il faudrait pas que je retourne à Arnheim quand même? Bon, pour information, j'ai 10 000 de revenus. Pour information, je n'ai pas 10 000 de revenus. Par contre, ça lag. J'ai l'impression que l'ordi va crasher à chaque fois. Oui, on attend deux joueurs, Akatsuki.univers. Ah. Ah, Ah. je pense que ce que tu as dit va s'avérer n'être qu'une triste réalité. Peut-être. Peut-être le moment de la pause. Ouais, j'ai le jeu qui crash. Bam. Eh ben bravo. Merci. Bon, on met en pause l'enregistrement et puis on vous retrouve tout à l'heure. À plus. Ok. Et nous sommes de retour à Sion. Non, Voilà. je suis pas à Zion, moi. Ah, tu n'es pas. Voilà. Donc on va pouvoir passer le tour. Bon, oui, on refait fin de tour, du coup. Voilà, on refait fin de Non, tour. on a presque pu relancer l'enregistrement après le passage du tour. Ouais, mais non. Mais parce qu'en fait, tu sais, c'est le moment où quand tu dis que tu reviens, tu mets le petit son, tu sais, de rembobinage. Pardon, c'était nul. Ouais. J'avoue. Alors, par contre, est-ce que j'aurais le même événement qui m'avait donné 2000 balles? Ça, c'est pas Ça sûr. Non, m'intéresserait. ça, c'est probable que non, même. Et Aveland ne fait pas la même chose. Ils vont pas vers Arnheim. Par contre, il faut que tu repasses en vitesse Ah oui. accélérée. Parce que bon, Désolé. ça ira pour cette fois, mais Donc les mille gueules, qu'on ne on vous y retourne sait. pas. Voilà, le PNA. Par contre, ça me fait plaisir qu'Alariel revient sur moi. Et ça veut dire que je suis pas obligé de retourner à Arnheim, donc je peux aller les taper, ces deux armées. Bah, il y a l'armée qu'on avait déjà tapée qui a plus rien dedans. Sachant que j'ai mon amiral et la deuxième armée que je savais pas quoi en faire. On va peut-être pouvoir aller faire Mumuse. Ah, il va fuir. Ouais, et alors? Il fuira? Vaut mieux qu'il fuit vers toi que vers moi. C'est pas faux. Tu l'as pas relancé, au fait, ton armée supplémentaire? Si, si, mais deux recrutements par tour, Ah oui, pardon, excuse-moi. deux trucs exaltés qui prennent deux tours, Ah voilà, oui. c'est les elfes noirs, hein. C'est les. Voilà, tu recrutes quatre unités, ça te prend quatre tours. Lentement, C'est comme mais ça. sûrement. C'est comme ça. Bon, Exoald s'est ressuscité. Non, j'ai pas mes 2000 balles. Ah, si je tue Elise, j'ai 1000 balles. Et je deviens un maître de bataille. Allez Moi, où, par Elise? Ouais, mais elle est contre. loin. Une armée de Noctilus a débarqué. Très Allez, bien. on prend un petit bonus. Deux. Alors.
D'XP d'élite sur fuite. Hop, toi. Non. Rang de recrutement plus 2 pour les sœurs du massacre et les furies, c'est très bien, mais ça prend 8 tours. Ça devient tout de suite de la merde. C'est pas faux. Tu peux pas... prendre ça. J'avais pas vu que ça donnait ça comme bonus. Dommage. On aurait pu gagner du temps. Non, tu vas régénérer un peu plus. Ok, alors. Donc nous, on va régénérer un peu plus. On va les terminer de main blanc. Normal. Ah, mais j'aurai en plus la ville qui viendrait m'aider. Non, toi, je veux pas voir tes notifications à la gloire de machin chose. T'es nul alors. En plus, donc. Comme fait deux échecs. J'arrive. À l'Ariel, j'arrive. Je vais attaquer Vera et Shakira. Vera et Shakira. Ah, elles veulent faire la bataille. Combien d'armées contre combien? Pourquoi j'ai pas mis, mon arche noire qui vient en renfort? Elle est juste à côté. Parce, ok. Parce que c'est les bateaux. Mais on est tous en bateau. Oh mon bateau. On est tous en bateau, eux aussi ils sont en bateau, c'est dégueulasse. C'est le plus beau des bateaux. Bon, on va la faire à la main. Voilà, parce que j'ai envie. Parce que tu le veux bien. C'est ça. T'as qu'une armée. Ah, c'est une magicienne cette fois-ci. Ouais, ouais, bah c'est Gyrohus qui a l'épée de Kane. Ah, c'est Miss Epée de Kane, d'accord. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il veut la faire. Il veut peut-être tenter de la récupérer. Ouais. J'y crois pas trop, mais... Et je suis un peu surpris qu'il la fasse, tu vois. Moi aussi. Ah, ils pouvaient peut-être pas fuir, ils sont peut-être en avance rapide. Non, j'ai pas regardé ça. Je crois pas. Non, non. Il me semble pas. Temps d'arriver des renforts. Ils vont arriver juste à côté de nous. Temps d'arriver des renforts, 1 minute 38. Ouais, et ils vont arriver juste à côté de nous. Eh ben, dans ce cas-là, t'attends les renforts, tu défonces les renforts. Ah oui, parce qu'en plus, normalement, comme ils sont en défense, ils risquent pas trop d'avancer. Alors, sauf que avec ces renforts qui arrivent là, peut-être qu'ils veulent faire. Bon, on verra. Ouais, on a des guerriers du chaos. C'est la même map, d'ailleurs, que tout à l'heure. Ouais. Est-ce que cette map va nous porter malheur? Bah, attends. Avec en plus, si en plus tu peux choper les renforts au moment où ils arrivent, franchement... En plus, les renforts, c'est l'armée toute pourrie d'Alariel. C'est ça. Qui a pas pu se régénérer parce qu'elle a tout le temps été en haute mer. Donc, il y a des unités, il y a une garde argentée, il y a 16 gars dedans, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'as comme troupe? On va faire comme d'habitude. T'as quoi? T'as 5 ombres? Oui, il s'est même pas mis à un endroit pour regrouper ses armées. Tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va pas venir nous chercher. Hein. Ah, bah, tu l'attends, tu le défonces. Franchement, je me mets là. Alors, est-ce qu'on ferait pas ça? Alors, quoique j'ai un peu peur qu'il avance quand même. Non. Donc, est-ce qu'on mettrait pas nos balistes? Mais non, mais une vers les renforts et une pas vers mais les renforts. Bah, de toute façon, tu la tournes dans le pire des cas. Moi, bon, à mon avis, tu t'emmerdes pas. Hein. Tu te mets. Tac. Mais comme ça. Tu te mets comme ça, voire. Enfin, plus proche, quoi. Et puis. Moi, je le carnarderai dans un sens, soit de l'autre. Et puis, si jamais il vient, eh ben, on navidera. Mais à mon avis, il viendra pas. Je pense qu'il viendra pas, toi. Bah, en fait, à mon avis, il va venir quand il verra que on attaque son essai renfort. Et dans ce cas-là, il sera. Peut-être. Donc, il va arriver au compte-gouttes parce qu'il va avoir des troupes. Bah, tu vois, son aigle géant, par exemple. Enfin, ses aigles géants, ils vont se faire démonter avant d'arriver. Hop. Est-ce qu'il bouge? Il n'y a pas l'air, donc on va passer en vitesse 4. Hein. Bah ouais. Est-ce que j'approche pas mes guerriers de corps à corps, si? Non? Bon, tu les mets juste derrière tes arbalétriers, histoire de pouvoir intervenir, quoi.
Hop, voilà. Hop. Bon, il bouge toujours pas, c'est une bonne idée. Ah mais, ça n'a pas mis en vitesse 4. On aime ça. On aime ce genre de situation. Ami viewer, si tu t'endors, nous te comprenons. C'est ça. Enfin, j'ai envie de faire une tempête de feu quand les mecs ils arrivent. C'est ça. Écoute, ils vont déjà se prendre une tempête de carreaux d'arbalète. Ah mais il bouge même pas. D'accord, donc l'ordi ne bouge même pas. C'est intéressant quand même. Là j'avoue que... Il est vraiment en mode je m'en fous quoi. Bouh, la tête de feu. Voilà, les petits archers qui prennent bien cher. Allez, c'est les murs qui vont faire un peu chier. Au final, c'est mes ombres qui vont tanker, quoi. Les balistes. Bon. Ah, j'arrive pas à viser, qu'apparemment, elle arrive pas à viser ma sorcière. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la tête enflammée, elle aura fait son taf. Ouais, il y a juste les murs. Hein. Ouais, elle aura fait son taf aussi contre moi, merci. De qui? Bah, c'est arrivé jusqu'aux ombres. Ah ouais, quand même. Ça, j'aurais pas cru. Par contre, il te tire dessus, lui. Ouais, bah écoute, de toute façon, j'y peux pas grand-chose. Oui, non, mais je te le dis. J'ai vu les traits de Baptiste. Moi, j'aime bien, c'est que il y a des guerriers du chaos de base, hein, c'est des guerriers du chaos universels, et ils parlaient de Slaanesh, donc même eux, ils le savent. Nous sachons. C'est ça, nous sachons. Bon bah au revoir à l'armée de renfort. Ouais, les arbalétriers, vous êtes mignons. Allez là-bas. Bon. Hop. Bon, son seigneur, il va mourir comme un caca. Tout seul. Hop. Ok, toi normalement tes ombres elles devraient redevenir invisibles à un moment. Je vais redéfoncer ces balistes. Enfin, je vais défoncer ces balistes plutôt. Hop. Bon, nous on va faire une belle ligne quand même. Hop. Ouais, ils sont fufu les ombres. J'ai vu ça. Je vais attendre que tout le monde soit en position avant de les faire tirer. Je vais leur faire défoncer les balistes. J'ai vu ça, qu'elles étaient devenues invisibles. D'un coup, tu as les balises qui se sont tournées vers moi. C'est marrant qu'ils les mettent pas en tir multiple. Ouais, ça s'appelle l'IA. C'est triste. Hop, on va voir combien de temps est-ce qu'elles vont vivre. Elles ont... Bouh. Ouh, ça fait mal. Attention, cavalerie. Ouais, bah écoute, c'est des lions. Ah non, c'est des lions. Ça va. Boum, deux salves. Ah non, putain, c'est... Ah si, quand même. Voilà, c'est le truc. Je t'avais pas dit, mais j'ai quand même l'arche noire qui en renfort, enfin, qui peut balancer ses pouvoirs. Ouais, le problème, elles vont vraiment prendre charge, les ombres. Ouais, parce que toi, en fait, t'es resté super loin, quoi. T'es cool. T'es cool. Une belle ligne. Non mais c'est bon esprit d'équipe quoi. Bah ouais.
Tu peux shooter ces aigles au moins? Attends, bah non, les aigles vont sur ta. Sur C'est ta ça. sorcière. Slaughter them. Destroy. To destruction. Voilà. Petite tête en Ouais, fait. et il a plein de gens qui me tirent dessus aussi. Blood will flow. Going. Arrivez-vous. We are ready. Voilà. Onwards to murder. Barrez-vous, j'ai dit. Carnage awaits. Oh, où ça? Putain. Ouais, se font défoncer tes ombres. Excusera, mais. Hein? Elles se font défoncer les ombres. Advancing. Y a plus l'habitude de les jouer. Bah non, c'est pas ça, c'est que. Je me suis un peu pris. C'est quand même pas des troupes hyper solides et je me suis pris quand même très très cher quoi. Tu y vas quand même. Ouais, c'est ce qui me semble. C'est nul ces bombardements là parce que l'ordi les évite tout le temps. Ces archers, putain, ils font tellement chier. Là, celui-là, il est bien passé par contre. Ah, c'est bon, il y a son moral qui chute. Bim. Oui. Oui. On va la faire en. On va la tuer un maximum au cas où. C'est okay, ça. Je sais pas s'ils sont en marche Ouais. forcée ou pas. Au pire, tu feras la petite sœur derrière. Ah oui. Mais si on peut en éliminer le plus L'unité de possible. lancier. Pauvre lancier. C'est ça. Bon, son seigneur, il a pas pris un pet. Bon, en même temps, il est niveau 1, donc. Victoire à la Pyrrhus. Ouais. Ça cause des ombres qui ont pris cher. Bah, un peu. Bah, qu'ils se sont un peu retrouvés toutes seules. C'est ça. La charge des lions blancs, hein, tu vois, les lions blancs, ils m'ont tué 64 quand même. Hein. Ah, la baliste, mine de rien, elle en fait 35. Hein. Ouais, hein. Bon, les arbalétriers à 106, j'y aurais jamais cru. Non, mais c'est ce qu'on appelle un massacre. Voilà. Bon, en jargon. Allez, Fury 77, pas mal. Allez. 84 à ma sorcière quand même. Tout de même. Mais je comprends pas pourquoi j'avais pas l'arche noire. Ben, je ne sais pas. Pour le coup. Mais en fait, Morati, ça doit être la pire des elfes noires, quoi. Parce qu'elle se chope Ul'tuan en premier. Quand tu prends Nagarond. T'es quand même vachement puissant quand t'arrives au niveau d'Ul'tuan. Ah bah ça c'est clair. Bah t'as d'autres adversaires ceci dit, mais. Ouais, mais c'est de l'elfe noir. Ouais, t'as peut-être du chaos. Bah maintenant t'as du nain, t'as quand même Grand Brindal, bah, sur lequel je roule. Limite pas très Ouais, mais intéressant. le nain, c'est pas si fort que ça. Ça fait peur, mais c'est. Hop là, un petit peu de reconstitution. Ouais, ça fait pas de mal. Allez, cassez-vous. Cassez-vous. Ah, je peux faire la petite sœur. Tu vois. Allez. Et ils se soutiennent de nouveau. Ouais. On perd rien en victoire décisive. Je pense qu'on va la faire en auto. Hein. Ok. Sur ce coup-là. Bim, bam, boum. GG, Yep. Giforius. Et on reprend de la. Cyrus. Voilà. Merci.
Sigvald. De deux niveaux étonnants. Bah oui. Allez, Sigvald. Hop, ah. Tac. Hop. Allez, cette fois-ci. Ah, désolé, les hauts elfes. Hein. Nous sommes là. On occupe. Ok. Par contre, Morati se retrouve toute seule. Ouais, mais est-ce qu'elle a encore des adversaires? Ah, et Athènes pourrait venir. Il y a trois armées des Athènes qui pourraient venir quand même. Hein. Avert your eyes. Bon, allez, deux armées ennemies. Parce que la troisième, normalement, elle est trop loin pour m'attaquer. Corruption de Slaanesh. Toi, il te faut encore un tour. Très bien. Alors, mais par contre, j'ai plein de sous. Et ça, c'est cool. Ouais, les sous, c'est toujours intéressant. Autorité, croissance, taux de recherche. Ouais. Est-ce que je me ferais pas une autre armée? Les exécuteurs d'Arganet. T'amènes du métal. Temps de repos, moins 5%. Ah oui. L'hôtel incarna. Allez. On va faire une autre petite armée ici. Tac, 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 tac. C'est bien les exécuteurs d'Arganet quand même. C'est efficace. Voilà, on a mis 20 000 balles, littéralement 20 000 balles dans la capitale. Putain. Pas mal. Alors, si on va voir nos amis. Nos amis. Ils sont où? Les hauts elfes, non, certainement pas. Okay. La Norska, non, on s'en fout. Les rois des temps, bonjour. Bonjour. Si je te vends Skegi, combien t'es prêt à me donner? Non. Gritus. Si je te vends Skegi, combien tu es prêt à me donner? Je la vends au Skaven. Ouais. Bah, mes amis squelettes me donneraient 700 balles. Mes amis Skaven me donnent 3000 balles. Mmh. Écoute, nous faisons aussi une alliance militaire pour 4500 balles. Merci. De rien. Merci mon ami Skaven, donne-moi de l'argent. Bon, par contre, t'as plus rien pour toi te faire des troupes. Mais ça, c'est pas très si grave en vrai. Garde-moi ça. Ah. Nous avons de l'argent. Taper le haut elfe donne de l'argent. Nous aimons ça. Et ben voilà. Oh mais il n'y a plus de corruption vampirique. Étonnant. Bah oui, ça disparaît vite. Est-ce que Morati, elle tente une embuscade? Putain, je sais pas ce qu'il a comme... Il a un événement avec moins 10 de corruption. C'est chaud chaud. Hein. Ah, j'avais pas vu que eux pouvaient venir aussi. Bon, c'est pas grave, ça va faire mal au cul s'ils viennent. Amélioration de bâtiments disponibles. Et moi, qu'est-ce que je peux faire comme bâtiment? Je peux faire ça, j'en ai rien à faire. Ah, je peux acheter des... Je peux faire des poteries. C'est intéressant. On va faire des poteries. Voilà. Ah, la Légion des Ombres veut faire un... enfin, accepterait de faire un PNA. On n'est pas grand chose à foutre. Bon. Ok, je passe mon tour. Bon, 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 bon. Oui. Eh bien, moi je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Enfin, quand on... Je sauvegarderai quand le tour sera passé. Mm-hmm. À moins que, et Athènes, que fait Athènes? Et Athènes passe. Et Athènes, ils sont à 4 autour de moi. Ils m'en veulent, je pense.
Je suis pas content. La flotte de la terreur, qu'est-ce que vous me voulez? 600 balles pour rejoindre une guerre contre des hauts elfes. Bah écoute, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Et c'est les seuls hauts elfes qui ne m'ont pas encore attaqué. Alors je vais dire non. Parce que là, pour le coup, ce serait moi qui vais devoir faire sa guerre. Donc, non. Et si, il a plus d'armée, il a plus rien. Noctilus. Ouais. Il est fini. Il a deux villes. Ouais, enfin, il en a une qui est à peu près imprenable, donc. Ouais, mais tu peux rien faire. C'est quand même. Si, ça fait partie des factions qui sont les plus résilientes, parce qu'il n'y a personne qui va jamais dans le vortex, quoi. Welcome. Ouais. Mais d'accord. Oui, j'étais sûr. Enfin, on a vu ça sur la Albéric en lustrie de chez notre ami Le Cygne, où Tyrion a quand même été. Bon, il s'est fait rect, mais il a quand même été. Rappelez-vous. Rappelons-nous. Nous sachons. Nous sachons. Ah, j'aurais peut-être dû lui demander la capitale qui est à côté. Hein? Travailler sans relâche. Taux de recherche plus 100%. Ça, c'est bon. Tiens, pétache. Suite à des raids réussis chez nos amis, nous avons acquis, entre guillemets. Avec un peu de persuasion, leur talent et leur expérience. Ok, bon, on va sauvegarder déjà, voilà, hein, avant que le monsieur y quitte, parce qu'il a tendance à quitter tout de suite, comme tout un sangouin. Putain, mais on stigmatise tout de suite, on pointe du doigt, c'est lui, c'est ah, boue, caca, c'est ça. Tout de suite. Et on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas si lui, je vais lui souhaiter des bonnes continuations. Allez, à vous, oui, mais bisous.